from the dead. Et coucou YouTube et Twitch. Coucou. Et coucou. Coucou les invisibles. Allez, go dans la moisson. Go dans la moisson. Ouais. Il reste plus que 200 000 sur le compte. C'est la merde. Salut Ricky, comment vas-tu? Ricky. Bon, je vais voir parce que j'ai vu plein de commentaires en disant ouais, la map elle est buggée dans tous les sens, machin. Ah ouais? Ouais. Apparemment, il y en a pas mal qui ont des soucis. Donc, je me suis dit, je vais essayer. Je vais essayer, on verra bien. Eh bien, et vous, bah, ça va nickel, Ricky. Nickel, nickel. Hop là, marche arrière pour accrocher, ce sera mieux. Ah bon? Moi, je pense. Hop là. Je vais essayer de me dépêcher pour moissonner, pour faire des missions en plus, parce que j'ai mis le mode pour récupérer la paille. Salut Lou, comment vas-tu? Merci pour le plus sain. Eh ben ça va tranquille. Tranquillou. Comme tous les soirs. C'est un peu moins mal à mon oeil. C'est mieux. T'as mal à ton oeil. Bah ouais. Ouais, j'ai un espèce de bouton qui s'est mis sur la paupière. Ah, et ça, ouais. Ça fait mal. Hier soir, c'est à peine si j'arrivais à l'ouvrir. Youhou, ça pue. Allez, bon sang. Eh ben, ça va tranquille. Tranquillou. On a passé une journée. Enfin, moi, j'ai passé une bonne journée. Et Roro, pareil. Donc voilà. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes.
Et toi, Lou, t'as fait quoi de ta journée du coup? Coucou Jean-Mama, comment vas-tu depuis tout à l'heure? Bah déjà sur cette map-ci, le fumier, le problème du fumier est résolu. Donc déjà ça c'est bien. Ça va permettre de quand même de bosser dessus. Ça va fatiguer. Ah, dommage que tu sois fatigué, Jean-Mama. Faut dormir la nuit. C'est pas faire des folies de son corps. Je dors. Ah bon? Bah pourquoi t'es fatigué alors? Si t'es fatigué, mon petit Jamama, c'est que t'as fait des folies de ton corps, moi je suis sûr. En soi, après ça le regarde, hein. Bah ouais, mais je suis sûr. Mais pas Après, t'as nous. droit. Hein. Bah heureusement encore. Encore heureux. Bah oui. Il manquerait plus que j'interdise. Ça fait du propre ça tient. Ouais, ça ferait du propre. Ou pas. Je reviens sur le live dès que j'aurai pris ma douche. Pas de soucis, Lou. Bonne douche. Et coucou Jean-Mama. La part de Lou. Donc là, c'est de l'avoine. Je m'étais dit que je vendrais peut-être l'avoine, mais je vais peut-être la garder. Que avec un peu de chance, on aura du fumier chez les cochons. Chez les cochons. Chez les chevaux. Bon, j'y crois pas, mais on ne sait jamais. Qui sait? Que tu penses sérieusement qu'ils vont te foutre un truc? C'est vraiment même pas sûr qu'ils vont te connaître. Non, je pense franchement pas qu'il y aura de fumier chez les chevaux. Bah ça va, Jean-Marie. Vous allez bien. Bah oui, nous on va toujours bien, Jean-Mama. On va toujours bien. Dans le meilleur des mondes, le monde des bisounours. Bah oui. Encore du blé de récolter. On va récolter les patates. Tac. Et encore une ligne de fer. Eh ben. Les betteraves. Bah, pour le peu que ça apporte. Allez, on va ranger tout ça. Ça sera rentable quand tout le champ sera plein et que j'en aurai trop. Des patates, ça c'est pour Jean-Mama, ça. Jean-Mama, il adore les patates. J'en connais un, enfin, Monsieur Patate pour le coup.
Monsieur Patate. Oui, oui. Oui, oui. Non, on prend ça, 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 ça. Tout ça. En plus, j'ai pris un vieux, vieux tracteur pour aller sur la mélangeuse et la pailleuse. Vous allez le voir, vous allez rigoler. Alors, j'ai dit qu'avant il fallait que je m'entoure de la culture. Non. Faut que je regarde dans combien de jours j'ai mis la saison, j'ai même pas fait gaffe. J'ai même pas fait gaffe à ça. En combien de jours j'ai mis la saison? Ah, t'es fou! Un jour! Oh là là! T'es un malade! Malheureux. Vous savez quoi? On va le mettre en 28 jours. Vu que je serai tout seul sur la game et que j'ai envie d'utiliser un peu toutes les fermes, eh ben, ça sera bien en 28 jours. Moi je suis un ouf. T'es un ouf toi? Moi je suis un ouf. Non, j'en aurais probablement pas assez. Chichi. Chichi, 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 chichi. Ça se fait pas. Bah si, ça se fait. Non. C'est tellement drôle. J'aurais pas assez pour la clôture. Ah. Mais non, mais pas comme ça, voyons. Un petit dragibus. Petit dragibus. Moi. Bon, le petit pelle là, il est un peu petit par rapport à la remorque. J'avoue que il fait un peu minuscule. Elle va passer au moins? Ouais. Juste, mais ça passe.
J'ose même pas imaginer la quantité de bouffe qu'il faut quand les 700 vaches sont réunies. Voilà. Parce qu'il y a... Il y a deux enclos à vaches s'il a tout laissé. Donc 700, ça fait 1400. Je sais pas si l'autre il fait 700 aussi. J'irai bien voir tout à l'heure, tiens. Putain de merde. Eh ben. Et vaillant, il veut pas s'en aller le chat. Hein. Ah ouais? Ouais, il veut rester coincé dans la gorge. Je reviens, je vais me manger. Pas de soucis, j'ai maman, bon air. Ah, peut-être que je m'étais. D'accord. C'est moi qui t'ai tapé. Bon air, j'ai maman. Il y a des tortues. Des tortues. Ninja. Ouais, des ninjas ou... Alors par contre cette latence que j'ai là. Ça va pas le faire. Moi si.
après là le jeu là. Bébé tortue. Une bébé tortue. Ok. Allez, le jeu là, franchement. Bon, je pense pas que je remplirai une remorque. C'est pas bien. Mais... Je n'y pense pas. Ah si, peut-être. Ah, j'ai tapé la remorque. Cassé la remorque neuve déjà. Bah bravo. Ah si, je Bah remplirai une voyons. remorque. Bah oui. Ah, le jeu qui est au ralenti comme ça là. Elle est en train de me casser les couilles le jeu là. Non. Hop, c'est plein. Ah si. Il y aura une remorque quand même. C'est bien ça. Oh, c'est en train de me saouler ça. Maintenant, reste Ah. zen. Ah oui, il faut que je fasse un passage de 3 là ici. Zen dans ta tête.
Maintenant, faut que je cherche des animaux. Des animaux? Oui. Ah, ça craque. Il y a des poules là-bas. Oui. Des poupoules, c'est pour Jean-Mama ça. Des poupoules. Une poupoule. Allô la deuxième. Allez, venez par là. Allez, venez les mises poules. Allez les poupoules. Allez. Des timides les poules. Des poules timides. Tant qu'elles sont pas humides. Par là, là, sur l'entrée, hein. C'est là-bas. Viens. Allez, viens par là, là. C'est bien ici. Allez, va rejoindre ta copine, toi. Va rejoindre ta copine, Pimpin. Voilà, il n'y a plus de tortues. Et un champ terminé. Allez. Oh, j'ai mal au genou. À la rue, c'est mal. Je sais pas si j'arriverai à vider toute la moisse bête dedans. Je pense pas. Je ne pense pas, bah non. 15% qui va rester. Ça. Oh, j'avais même laissé le moteur en route. Ah, bravo. Ouais, pas cher le carburant, c'est gratuit. Ah, je vois ça là.
Tech. Non, c'est pas là-dedans, c'est là-dedans. Bah, avant c'était là qu'on augmentait le son. Et c'est plus là maintenant. Bon alors. Volume. Ouh, il tangue un peu le tracteur là. Ah mais le clignotant. Ah, par contre ouais les freins c'est pas ça. Hein. Non, j'ai eu peur. J'ai bien cru que j'allais me manger le muret en face. Les petits meumeux qui sont dans leur prairie. Coucou coquine, coucou Xerox. Ouais, le paysan qui s'est mort à fond avec le fer. Si, c'est toi Xerox. Comment vas-tu? Comment elle va, copine? Ben, nous, on va bien. Ça vient, nous, ça va tranquille, Xerox. Tranquille, hop. Tu marches arrière là, à fond. Ah, j'en avais oublié le clignotant d'ailleurs même. Un PTDR, il est pas. Il est pas un petit peu petit dans le tracteur par rapport à la benne. Si un peu. Un peu beaucoup. Bah ça va, il fait le boulot. Faut juste prévoir de freiner en avance. Très bien, très bien. Et vous, j'attends la livraison des pizzas. Ok. Bah nous ça va nickel aussi. Moi j'ai mangé sur le pouce tout à l'heure, vite fait. Fait un bon repas après le live. Et puis je sais pas, toi t'as mangé toi? Si t'as mangé. Oui, oui, de la soupe tout à l'heure. De la soupe? Ouais. comme les bébés ou comme les papis. De la soupe. En plus, j'aime ça la soupe alors. Faut carrément prendre le tout petit tracteur pour les vignes. Bah tant qu'on y est avec Xerox. Bah oui. Ah bah je vous ai pas montré le vieux coucou que j'avais. Je vais vous montrer. Hein. J'ai un vieux coucou aussi. Hein. Un truc tout vieux. Tout vieux qui fait du bruit et qui fume. Alors ça c'est... Je sais même pas c'est à quoi ça. C'est pas... Ça c'était de base ça en Valtran. Dirk.
Et là, j'ai un vieux coucou, tout vieux, tout pourri, qui est sur la grosse pailleuse, bien sûr. C'est petit, un petit tracteur pour une grosse machine. Mipounette, c'est très simple. Quand il prend une petite benne avec un gros tracteur, et pour les grosses bennes, un petit tracteur. Pas logique. Ouais, bah oui. Regarde, celui-là est très bien. Il est toujours comme ça, de toute façon. Celui-là est bien, il fume et tout. Il a le vieux bruit et tout, c'est top. Ah, j'aurais pu mettre celui-là sur la remorque. Bah bon. Bon, on dirait mon lycée MDR, ils ont mis une grosse mélangeuse sur un vieux Renault MDR. Ah bah oui. Ah moi j'aime bien tout ce qui est vieux, trucs comme ça, j'adore. Hop là. Bon, après, je crois que c'est du blé qu'on va faire. Là, c'était de l'avoine. Moi, j'aime trop les Fiat Agri. J'en ai un. Ah, bah oui, j'en ai un d'ailleurs, un Fiat Agri. Tiens, regarde, j'ai ça en Fiat Agri. Je crois que je l'ai mis, moi que je l'ai pas mis. Si, je l'ai mis, il est là. Et celui-là, Fiat Agri. Il y a pas de mousse ici. Voilà, il y a celui-là. Donc ça, c'est le vieux tout pourri. Hein. Et je crois que dans les gros tracteurs, il est le Fiat. Ah non, je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis, je crois pas. Au moins qu'il soit dans les petits, mais je crois pas que je l'ai mis. Ouais, moi aussi, j'ai ajouté dans mes modes, il est trop beau. Bah ouais, carrément. Et là, je crois pas que je l'ai mis. Ah si, je l'ai mis. Le Fiat, avec ses gros pneus. Le Michelin. Donc voilà, il y a des gros coucous, il y a des vieux, enfin il y a un peu de tout quoi. Alors, Mikounette Doudou avec son T8 et son TTR, il te bouffe tout cru avec tes petits machins. Ah oui, c'est sûr, Coquine. Ouais, lui aussi, un vieux Fiat MDR, lui, il était de base dans le 19. Ouais. Mais il avait pas les grands pneus. De base. T'arrêtes pas le tracteur, il freine pas. Ça va falloir me dire au mécano de revoir les freins. Hein.
Ah, là, il y avait un truc. Ah oui, c'était le robot. Avant, il n'y avait pas de robot. Ils ont rajouté le robot pour que ça soit fonctionnel. Sinon, le fumier fonctionnait pas, je crois. Enfin, le fumier fonctionnait pas chez les vaches avant, en tout cas. Il n'y avait pas le robot. Ça vaut le coup, les véhicules d'occasion 152, le T8 208 000 et l'autre pour le R. 221 000. Ouais, bah ouais, après en occasion, j'ai pas trop regardé ce que j'avais là. Je sais pas si j'ai quelque chose d'ailleurs. En occasion. Ah si, j'ai un peu de matos en occasion. Hein. J'ai la classe qui est en occasion. Crotman, l'Amazon et la petite Pottinger. Moi. Mais vu que c'est pas ce que je veux prendre. J'ai envie de rester avec du petit matos. Que les champs sont pas immenses non plus. Enfin, je dis petit matos, remorque 3 essieux. T'sais. Ah, ça freine pas. Non, ça freine pas. Petit Fen a du mal à freiner la 3 essieux. Je sais pas du tout si c'est par là qu'on passe pour aller au champ. On n'a aucune idée. Ah mais attendez, là j'ai le champ 3 là qui est à moi. Hop là. Ah bah non, il a été moissonné. Ah ah, je l'ai dans le bip bip. J'ai quoi d'autre dans le coin? Dans le coin, j'ai quoi d'autre? Ah, j'ai le 125. Ah, le 125. Ah, mais y a pas moyen de passer là. Je suis où? Je vois même pas mon point. Ah si, je suis là. Ça vaut le coup, les véhicules. Ça, j'ai vu. J'ai vu. Bon, ça doit être ça le champ, non? Ouais, c'est ça. Hop, je vais ranger celui-là là. Elle est où la moissonneuse? Là. Ah, quand même, une, au moins une. Il reste encore trois lignes et j'ai fini un côté de... Alors, oh là, je suis pas droit du tout. Ouais. C'est tout. Ça l'a fait quand même. Deux sorties pour les lives. Hein. Ah non, on peut pas accrocher, c'est nul. Ah, on peut pas accrocher sur celle-là. Oh, c'est trop nul. Allez, on va ranger ce que j'ai récupéré.
C'est trop nul. Ah tiens, ça c'est dommage, les le machins ils s'allument pas les écrans. Une pointe de vachette. Hop là. Une photo de vachette. Non, une petite vachette. Ah. Toi, une photo de vachette, je comprenais pas. Je dis, hein. Qu'est-ce qu'il y a à foutre avec une photo de vachette? C'est quoi faire? Et ben voilà, on va prendre le vieux coucou pour aller amener la barre de coupe. Ah, les clignotants fonctionnent pas sur celui-là. Je crois pas, hein. Non. Les feux fonctionnent? D'accord, les feux fonctionnent, mais... ouais, ok. Bon, on évitera de mettre les feux, hein. Parce que ça éclaire, mais... Et voilà. Bah, ça éclaire, mais les feux s'allument pas. Problématique ça, quoi. Ça c'est la magie de farming ça. Aujourd'hui on a amélioré notre posture sur le cheval là. Ah ben c'est cool ça lui. Je pense que si je prends le petit chemin là qu'il y a juste là, je dois pouvoir arriver au champ. Oh, le tracteur pas du tout équipé pour transporter par là. Merci. Il est très bien mon tracteur. 68,8% de téléchargement. Demain, journée de beauté. Eh ben. Eh
Eh ben dis donc, j'ai encore 8 heures à attendre avant de pouvoir jouer. Tu à venir, mais... Je vais me mettre là, comme ça, le tracteur pourra sortir avec la remorque. Comment tu peux presser, hein? Moi non. Après, je peux démarrer le jeu parce qu'il marque prêt à démarrer. Ah ouais. Ah bah oui. Mais je préfère le mettre en... le laisser en... Ça se mettra à son place. Et après, j'ai appris que ma copine, ça sait parler français. Ah bah c'est cool. Bah, c'est mieux si elle sait parler français. T'as fait une petite farce. Bah je t'avoue que moi je l'aurais fait aussi. Ah bah de même, hein. Je reviens. Un loul. Oh, par contre, on va baisser un peu le bruit du moteur parce que... bien gentil, mais... Non, moi, à la fin du live, j'aurais plus d'une oreille. Je vous laisse, on va regarder Taxi 2 dans mon ciné privé. Bonne nuit Lou. Une fois que j'aurai moissonné tout ça, du coup il y aura la paille, le foin à faire, l'enribané à faire. Et du coup j'ai acheté 50 meumeux. Donc il faut que je prévoie de la bouffe pour eux.
que du coup pour tester, bah, j'avais chargé une remorquée de comment ça s'appelle, de ration totale mélangée. Et 5 minutes après que j'ai chargé, il y avait déjà du fumier qui apparaissait dans la fumière. Donc du coup, j'ai vu que ça fonctionnait. Plein de la vapote. Je vais surveiller les contrats, voir s'il y a des contrats qui se pointent ou pas. J'ai un contrat. Ouais, j'ai un contrat, c'est du colza pour 2000 balles. C'est vraiment pas grand chose. Mais je vais essayer d'avancer au max dans les contrats au fur et à mesure qu'ils tombent, parce que sinon j'arriverai pas à les suivre.
Rebé. Le repoutine. Ouais, Lou, elle est partie au dodo. Non, elle est partie au ciné. Ouais, au dodo, au ciné, quoi. C'est pareil. Oh. C'est la même. Le lait d'amande là, ben, ah bon? Ah ouais. Oh. J'ai pris un litre pour essayer là. Non merci. Bon, je mets les écouteurs comme ça, j'ai une rappel d'œil. Oui. Ouais, tiens, dans le nez. Dans le nez. Ouais, faut des coups de matraque électrique dans le nez. D'accord. C'est spécial. Je sais pas, j'ai mis le coup dans le nez de matraque électrique. On essayera si tu veux. Alors, c'est une matraque électrique avec 4 pointeaux. Ils vont bien les enfants coquines. Les petits enfants. Oui, très bien, Roro, à part que eux et leur père me préparent un truc pour samedi, je le sens.
Ah ben. Et une bonne gastro à 4. Pardon. Et quand je l'ai annoncé, c'est bah c'est bien, tu te prépares un peu ce côté. Mais c'est ton anniv samedi, non? Non? Il me semble. Il me semble, hein. Probablement. Un an de plus, tu vas être un an plus vieille. 29, 30 ans, je crois qu'elle avait dit. Bon, une trentaine. Pas loin. Elle va atteindre la trentaine. Non, gastro. Ah, comme cadeau d'anniversaire, non merci. Pareil, pourquoi pas. On dit jamais loin comme. Et ouais. Prendre balai, tu vas te faire vieille, hein, coquille. Oui, logiquement, tu vieillis chaque année. Bah oui. Normalement, hein. Alors, le corps vieillit chaque année, mais dans la tête, c'est pas sûr. Hein. C'est le corps qui te fait comprendre que tu prends une année. Ça passe trop vite les années. Et ouais. Et ouais, coquine, ça y est, t'y arrives. Tu veux ça, faire les parties bientôt des vieux et des vieilles. Les 30 ans, ça se fête, hein, coquine. Ouais. Profites-en, hein. Moi, les miens, j'ai pas pu les fêter. Ah ouais? Non. Bah non, avec mon genou en vrac, tout machin. Ah, bah ouais. Donc, profites-en si tu peux. J'ai même pas fait les miens, mais 20 ans là. On en fera tes 25. Ouais, c'est dans 2 ans. Bah ouais. On le voit maintenant. Pas encore le temps. Chaque chose a son temps. Boy. Là qu'il y a le tien là, en fin d'année avant. Ouais. J'ai toujours pas ce que je vais faire. Non, rien. Oui, rien, j'ai rien besoin, moi. Oui, oui. Je l'ai fait en famille samedi soir. J'ai fait... Ah ouais, cool. Sympa, ça. Et demain, le cadeau de Doudou. Ah, c'est bien, ça. Ah. Il va bien me faire en avoir. C'est du 4, coquine. Tu vas voir, le cadeau de Doudou, ça va être un 4e. Une 4e voiture, tu veux dire. Un 4e petit. Moi.
Non, j'arrête de l'emmerder avec ça. Je pensais que t'étais du 4. Ah, toi. Bonjour, ça va. Désolé de dire retard. Pas de soucis, t'inquiète. Non, du 5 mars. Bon, je le dirai dans deux jours, parce que c'est pas bien de dire avant, c'est pour tout à l'heure. Grand Turismo 7. Ah oui, c'était en précommande en ce moment. T'avais déjà zappé, toi? Oh là là. Non, c'est juste parce que j'ai tellement de choses dans la tête que... Ouais, parce que t'as le cerveau est une blonde. Non, mon cerveau qui travaille constamment. Eh oui. Il connaît ta gueule, merci. Ben, pourquoi? De rien. C'est pas à toi que je disais ça, coquille. Tu t'es senti visé? Allez pas, voyons. Ah bah ce soir on va faire que de la moisson. Ah oui, mais je te le dis, Fenette. Tu en avais l'envie, le désir. Oui, mais je te le dis, mes connais. Bah, de avoir l'envie, le désir. Bah oui. Ah, cette fameuse phrase, l'envie d'avoir envie. L'envie d'avoir envie. C'était qui chantait ça? Oh, je sais plus. L'envie d'avoir envie. Johnny, non? Si, je crois, ouais. Pas lui qui chantait? Si, si, je crois. Oui, c'est Johnny qui chante ça. L'envie, le désir, oui, m'y connaître. Oui. C'est Johnny Hallyday, ouais. J'avais un doute. Je ne savais plus, là j'avoue que j'avais un trou de mémoire. Aujourd'hui, il chante plus grand chose. Ah bah oui, c'est sûr. Ah si, peut-être dans sa tombe. Il chante peut-être. De la haut là. Avec Pernod. C'est ça. Ça se trouve, ils sont à concert là-haut tous les jours. On le et ils nous chantent. En bas, allumé. En rigolant face à sa tante, c'est allumé. Enfin bon. Ah putain.
Tiens, là-bas, il y a un champ qui demanderait à être moissonné, j'ai l'impression. Je sais pas du tout ce que ça va me donner en paille. Pas non plus. Là, j'en ai aucune idée. Rock and roll ou cimetière, imagine. Ah ouais, t'imagines, coquine. C'est long. Ça serait un kiff, t'imagines? Ouais, bah ouais, on le saura bien plus tard, hein. Plus tard sera le mieux. Ouais. Mais une fois arrivé là-bas. Ah bah oui. Dans longtemps. Oui, mais non, je reste chez moi. Ah, si t'as envie de faire de chez toi, copine. Tu peux, hein. Goodbye. Voilà, il va se faire bouffer lui. Mais j'ai envie d'aller voir c'est quoi la ferme qu'on a là à côté. Et du coup, ça me turlupine depuis tout à l'heure. Je me demande si c'est pas les cochons ou les ou une ferme à moutons encore. Ah, faut s'arrêter, il y a l'écrasement de culture. Moi, je suis tout seul, je mets l'écrasement de culture. Hop là, c'est quoi ici? C'est quoi cette ferme? Ça, c'est du mouton, ça. Ah non, des chevaux. Ah, ils sont là, les chevaux. Les ici, c'est les huhuhu. Elle est sympa, cette petite ferme, là, aussi, dis donc. Ici, ça doit être les moutons. Ah, ici, c'est les moutons. Ah, salut, la ferme. Salut, Doudou. Comment vas-tu? Ici c'est les poupoules, les cotes-cotes, les poupoules, les cotes-cotes. Ah non, c'est les vaches ou les cochons. Attendez, non, ici c'est les cochons. Là c'est le silo pour mettre de la bouffe. Les cochons avec la plumière qui est là. Ah, il aurait pu mieux nettoyer. Tu avec la radio, bah bravo. Alors, les poules, les amis à Roro. C'est ça, Doudou. Non, c'est les amis à Jean-Mama. Bah, Roro aussi. Que Roro. Non, Roro, elle, c'est les biches. Ou les chèvres, quand il y en aura. Les mottes-mottes. Les mottes-mottes. Elle a toujours dit qu'elle deviendrait chèvre. Je sais pas pourquoi elle fait une fixette sur les chèvres. Peut-être que dans un futur elle aimerait devenir chèvre.
T'es playing. T'es playing. T'es playing. Moi, j'arriverai pas à tout mettre dans la trémie. Je crois 77%, ça va être pour l'axe. Ah, peut-être. Peut-être bien que si. Peut-être bien que non. Yo, Tilo Boy, comment vas-tu? À plus, je vous repasse ma vieille blondasse. Elle commence. Elle commence un peu à rouiller. Tu m'étonnes. Elle met du WD-40, du dégrippant. Ça va, et bah tant mieux, ça va. Merci pour ton follow, Kenya V80. Bah tant mieux si ça va, nous on va bien aussi. Vous pouvez la fermer, merci. Vous pouvez la fermer. Merci. Dossio. Okay. D'accord. D'accord, Lolo. Ça va bien se passer. Coucou, Mick. Ça va depuis le temps. Ça fait plaisir. Exact. Scania. Ah, il y a un nouveau follow. Ouais, Scania. désolé, je commande pas beaucoup car je suis en train de jouer. En te regardant, deck de noir. Doudou ta gueule. Tu me reconnais ou pas? C'est Jérém, non? J'ai un doute. Que j'ai eu beaucoup de Scania. Scania 80, je crois que c'était Jérém. Je suis pas sûr. Non, c'est moi Loïc. Ah ok, salut Loïc. Oui en effet, ça fait une paille. Ah parce que avec tous ceux qui ont des logos Scania, c'est que Jérém il avait un truc Scania aussi. Mais ça va nickel. Comment tu vas toi Loïc? Comment tu vas? Comment va ta maman? Enfin, comment va toute la petite famille? Ça va nickel. Bah c'est cool. Ah bon bah. Là pour là, maintenant pour écraser, hein, on va écraser tout le long. Hein. Ça va frapper. Allez. On va aller vider celui-là. Allez, Paul la vieille. Et Paul la vieille. Hmm? Bah la vieille. C'est coquine. Mais dans la série, elle a un pétocast la vieille. Ah, j'ai vu pire dans la série, franchement. Ah, ma mère est à l'hôpital, mais rien de grave. Ah oh, bah c'est cool. S'il n'y a rien de grave, c'est cool. Hop, je ne sais plus, là je crois que c'est à droite ou à gauche, je sais plus. Non, c'est à gauche. On n'a pas encore passé devant la ferme. La ferme est un peu plus bas.
Ouais, si c'est rien de grave, déjà, c'est bien. Bah, courage à elle, du coup. Et aller à l'hosto. Tu dis qu'on pense fort à elle. T'apprennes pas. On dirait que tu cherches la bagarre avec Sandra. Ah, mais moi j'ai toujours aimé Benoît. J'ai toujours emmerdé Coquine. Le jour où je l'embête pas, Tu cherches la bagarre avec le coup. c'est que soit je suis pas en forme, soit c'est pas le jour où faut l'embêter, ou soit c'est qu'on se parle pas pour X raisons. Voilà, mais non, je la taquine tout le temps. Et elle, pareil. Alors, coucou à Coquine et à ta femme, de la part de Loïc. La vieille andouille. Un crypto gamer, il aime sa vieille andouille. Ben oui. Quand même. Rejoins maman. Jean-Marie. Je sais pas pourquoi il a mis Jean-Marie. cavalier derrière. C'est le tracteur de base qu'on a, fait partie des tracteurs de base qu'on a quand on arrive dans la game. Alors, papy, alors qu'il mangeait la soupe. La soupe. Oui, Sandra. Coucou Oui, Jean-Marie, comment tu vas est-ce que tu bien? veux partir? Coquine, elle agresse et elle dit bonjour après. Ah, la vieille andouille est périmée. Ah, en parlant de toi, Coquine, ouais, ça je le savais. Après, tout dépend pourquoi, hein, parce que certaines choses, apparemment, ça marche toujours très bien. Et pour les vautours, que ça fonctionne pas mieux. Oh, Ah, dommage, c'est bon dommage, l'andouille. c'est bon J'aime pas l'andouille. ça, l'andouille. Ah, c'est bon l'andouille, l'andouille fumée là. Oh, j'aime pas ça en Ah, plus. délice. Tu en mangeras tout ça là. Ah, tout marche chez moi, pourquoi? Je sais pas, j'avais envie de lancer un truc, donc j'ai lancé ça. Je sais pas, parce que généralement, quand on vieillit, Coquine, ça marche moins bien après, non? C'est ce qu'on dit, non? Bisous à ta famille. Ça dépend laquelle est mère. Alors, dommage, c'est bon, andouille. Répondre à quel MDR? Ça fait un moment que on s'est pas vu exactement, Loïc. Bon, après, j'étais absent pendant une semaine. Après, avant, j'ai encore été absent pendant 15 jours. Donc, je me suis pris un peu de temps pour moi là, ce temps-ci. Enfin,
Merci. Merci. C'est important, réabonnement. Alors, qu'est-ce que j'ai pas vu? Ok, Jean-Marie, bisous à toute cette famille aussi. J'ai quasi 30 ans, pas 108 ans. Moi, bah ouais, moi tu sais, arrivé à 30 ans, ça y est. Hein. Oh. Ça y est. Hein. Ça commence à s'user. Hein. Prendra une andouille, lol. Là. Allez, ça c'est encore un autre chant de terminé. Bonne nouvelle, j'ai eu mon permis voiture, si ça se passe bien, j'avoue, j'ai passé le permis poids lourd. Ah, c'est top ça. C'est cool ça, Loïc. Nickel. Ça fait longtemps que tu l'as eu ton permis de même Là, il me reste quoi en champ, en moisson? Il me reste le 37. Je vais sortir et le 37 pour aller au 37, ça sera ouais. Okay. Je l'ai passé le 25 février. D'accord. Oh, c'est tout neuf encore. Le 3. Là, c'est pour ça. Là, on en a un, mais ça, c'est récolté. On est où là? Pour aller au 37, c'est un peu plus bas qu'il faut prendre à droite. Ça doit être là. Ouais, c'est ça. Petit chemin. Ça fait un bien fou comme ça, je vais voir ma mère de temps en temps. Ah bah tu m'étonnes, Loïc.
Hop. Et ici, c'est quoi? C'est du blé, ça a l'air aussi. Hop, on va le laisser là, comme ça, tu l'as. On va sauter dans la Mosvat, qui est juste à côté. On va enlever la grotte carte toute dégueulasse. Hein. Hop, voilà. Et on est le parti. Et là, on peut mettre les gyrophares. On est tout seul. Et on peut même allumer tous les feux. Parce qu'on va sur la loot. Vue intérieure, ça pourrait être bien aussi. Voilà. De quoi? Non, dans la série. Hein? Faut pas avoir peur, moi, celui. Mais non. Jamais avoir peur dans la vie. Je reviens. Salut. Allez, on va moissonner ça, je sais même pas ce que c'est. C'est du blé aussi, donc c'est parfait. Ça, si je veux faire des poules après, bah, j'aurai de quoi. Allez, c'est parti, on peut couper les feux, on a plus besoin. Couper, j'y repars, on a plus besoin non plus. Bonne tout le monde, bonne nuit Jamama. À demain Jean-Marie. Repose-toi bien. Jean-Mama qui est parti au dodo.
Alors, tu es console. Alors, bonjour, Dakari Jackie, quand tu arrives déjà. Et non, je suis pas console, je suis PC. Mais je joue aussi avec les consoles. Bon, normalement, avec toute la paille qu'il va avoir, là, je devrais pas manquer de paille. Ça fait déjà 3 mois que j'ai des abonnements avec toi. Ah, c'est possible. Je sais comment on avait offert un. Hein. Ben oui, ça passe, mais... Ça fait le deuxième là. Ah. Alors, hop. Ah bah non, j'avais pas arrêté le moteur. Olé, 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 ça glisse, ça glisse, ça glisse. Oups, oups. On va peut-être prendre un tracteur un petit peu plus costaud. Heureux, coquine. On va mettre le Valcra dessus, je pense que ça sera mieux. Voilà. Tiffen, là, il est bien, mais. Il est un petit peu trop léger.
Ouais, il est vraiment trop léger. Putain, il y a que 12 000 litres dedans. Hein. Ah oui, quand même. T'as le soulage d'un coup. Alors. D'accord. J'ai vu un Valtra tout à l'heure, je crois qu'il est là-bas. Ah, il est là-bas. Il sera déjà un petit peu mieux. La taille est un peu plus appropriée à la remorque. Oh, même lui, il soulève du cul quand on attache. Ouais, il tient déjà mieux la route. Bizarrement. Ah puis il a déjà des heures lui. 165h08. Ah ben. Ouais, celui-là, moi, tu peux tourner et il glisse pas. C'est moi ou il recule tout seul? Il recule tout seul. Oh la vache. Peine Maurice. Oui, tu peines dur.
Bon, on verra bien où on va le retrouver, hein. Va-t-on le retrouver tout en bas du champ ou... Allez, Maurice. Eh, bah, Maurice. Moi qui bah, dis oui. Ça. Bah oui, allez, Maurice. Dans la série, comme psychopathe narcissique. Sinon, j'aurais pu dire allez, Poppins. Mais bon. Allez, Jean-Maurice. M'y connaître ta gueule. Connais ta gueule. Bah oui. Bon, la psychopathe a une arme dans les mains.
Ah, la moitié des figurines, la masse sera trop. Le petit 10 000 qui a mauvaise posture. Allez, tchac. La psychopathe, elle a perdu son masque. La pauvre. Bah, elle l'a récupéré, elle l'a remis au visage. Ah. Non, pas lavé. Merci la team Loïc pour ton nabo. Ah, t'étais plus à bout, toi, Luc. Il semblait que t'étais toujours. Eh ben, bienvenue à toi, parmi la famille des fermiers passionnés. Hop là. Je savais que j'aurais touché. Je le savais. Oh là, oh là, oh là. Il recule là. C'est pas bon signe quand le tracteur il recule. C'est jamais bon signe. Mmh.
Recoucou, plus un like et un abo avec mon deuxième compte. Merci Loïc. Mouknette, tu nous fais quoi? Bah, je sais pas, j'avais pas appuyé sur le frein, mais il voulait pas s'arrêter. Et il a du mal à monter. Hein. coucou Sandra, ça va? Ouais, il a du mal à monter, hein, le... Allez, Roro, pousse. C'est ça. Allez, pousse B. Viens pousser la remorque. Bon là, ça, il y a un peu moins de pente, il repartira pas en arrière quand même. Bah voilà. Non mais. Oh c'est bon, ça le fait. Coucou Loïc, tu vas bien. Tu vas essayer un facteur un peu plus puissant. Je peux pas Loïc, j'ai pas de sous. Tu. J'ai pas de sous et celui-là c'est mon tracteur le plus puissant. Ah c'est parce que je suis dans un champ en pente, c'est pour ça. J'ai pas de sous, j'ai plus que 200 000 et je suis en tout début de partie. Donc pour acheter un tracteur plus puissant, faut que j'attende. Oui toi Sandra, ça fait plaisir de revoir les amis. Ben oui. Ben oui, les Namis sont restés. Très bien, Loïka. Il va être casse-pied à faire ce champ là. Je sais pas pourquoi, mais je le sens casse-pied. Après, il y aura toutes les bobottes à presser. Ah, je vais m'amuser. On a toujours dit, les amis, c'est pour la vie à la mort. Ah. Oh. Bah ouais. Hop là. Après tout dépend des amis hein, Loïc, parce que certains amis qui sont pas des vrais amis, tu t'en rends compte des fois.
Ça c'est sûr. Ben oui. Mais bon, comme disait mon grand-père, la vie est un fleuve. Comment il me sortait ça? La vie n'est pas un fleuve tranquille. Voilà. Hop. Canette de coca. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est comme ça. Alors, je t'attendais tout à l'heure pour pousser derrière ma remarque, mais... Bonsoir à tous, salut Mika, comment vas-tu? Mika. Ouais, ça marche. Et ben, bonne nuit. Aussi, bonne nuit le chat. Repose-toi bien. Et puis à demain. À demain. À demain. Ça peut aller au Kimka. C'est cool, ça peut aller, c'est bon. J'ai mis mon pouce bleu, merci Mika pour ton pouce. Salut Léo. Je vois si on dit Léo ou le 0120. Bienvenue à toi sur Twitch.
Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va avoir du mal à ramener la remorque jusqu'à la ferme. Je sens que petit Valtra va peiner parce qu'il recommence déjà à reculer. Tchou. 24 000 au cul, il les sent. Hein. Parce qu'il y a le cross platform sur FS22. Bien sûr, Léo, il y a le cross platform sur FS22. Tout à fait. Tu as vu la carte française qu'on a eu? Non, j'ai même pas été voir. Coucou Réseau. Et les amis, si vous avez besoin d'acheter le jeu ou des DLC, n'hésitez pas à passer par les liens que je vous ai mis dans la description, des liens aussi que vous retrouverez dans le Discord pour avoir des réducs avec mon code partenaire fermier, je crois que c'est tout en majuscule. Hop. Cool, parce que j'aurai FS22 le 9 mars. Ah, ok, Léo. Ah, ok, moi je l'ai vu, elle est pas mal. Ok. J'ai pas été voir du tout les modes. J'ai pas été voir les modes du tout aujourd'hui, Mika, parce que aujourd'hui j'étais à bloc cet après-midi en mapping. Il va pas monter. Ici, j'étais en mapping pendant toute l'après-midi et ce soir je me dis allez hop, je vais un peu sur le jeu. Donc voilà, ça va nickel Jojo, et toi? Alors que j'ai du mal à monter mes remorques de grains jusqu'à la ferme, autrement tout va bien. Alors, ok, je comprends. Je vais chez le médecin demain matin. Ok, Jojo. Bah, en espérant que tout se passe bien pour toi. Bien chie, ouais carrément Mika. Carrément. Là avec la 3 essieux, il a de quoi faire. Ouais, il tangue un peu. Hein. Il a du mal à tenir sa route quand même. Je pensais qu'il aurait mieux tenu que ça, mais au départ j'avais le petit Fen dessus, donc. Fun, c'était un peu moyen. Tu joues sur quelle plateforme? Alors moi je suis PC, Léo, et je joue aussi avec les consoles. Donc, par exemple Roro qui était là avec moi tout à l'heure, qui est ma compagne, ma copine, et eh ben elle est console et du coup elle peut jouer avec moi. Bon du coup pas sur cette map là parce que cette map là elle est PC, mais autrement elle peut jouer avec moi sur les maps données par le modem en crossplay. En cross-platform.
Pardon. Ah, ok, moi je suis PS4. Ok, bah pas de soucis. Il n'y a pas de problème. Non, justement, je fais en sorte de faire passer, de prendre du temps pour jouer avec les consoles. Parce qu'avant, on avait eu sur le FS19, on avait je sais pas combien de demandes pour jouer avec nous et bah, les gens ne pouvaient pas nous rejoindre. Donc maintenant qu'il y a le cross-platform, je fais en sorte que tous ceux qui veulent jouer sur console avec nous, des peut-être chance là aussi de pouvoir jouer avec nous sur les lives quand ils le souhaitent quoi. Tous les soirs 39 de fièvre. Ouh, pas bon ça Jojo. Moi aussi je suis sur PS4. Ah, bah tu vois t'as Benoît le gamer qui est aussi sur PS4 sur YouTube. Après, n'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi. Le Discord est là aussi. Vous pouvez discuter entre vous, tout ça. Pour vous faire des games entre consoles, ceux qui le souhaitent. Hop. Alors. Bon, cette fois-ci, j'ai laissé le tracteur en haut. Je vais pas me faire avoir. Il est où le Discord? Normalement, t'as Wizbot qui te l'a affiché juste au-dessus. En fait, Wizbot, tu vois, au-dessus de ton message. Sur tu joues à quelle plateforme, et ben il t'a mis ma chaîne YouTube et juste au-dessus de ma chaîne YouTube il t'a mis le hashtag Discord, le lien du Discord Léo. Être obligé de pas le charger en marche arrière parce que sinon je vais faire un peu de récolte et puis je déchargerai après, c'est pareil. Hmm.
Je vais voir si Louis Bott se décide ou pas. Non, je serai obligé d'aller choper le lien. Louis Bott, il fait la sieste cet ancien. Hein. Ouzbot fait la sieste, bon, je vais te choper le lien et hop. 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 Le lien. Bah ici il va me le donner. Bah alors les bots, vous êtes en vacances ce soir? Comment que ça se passe? Ah bah enfin, il était temps de se réveiller. Les bottes qui faisaient la sieste ce soir. Les bottes qui font... Tac, le retour, on en a pas besoin. Ah, il a mis comme ça. Oh là là, c'est... Ah, tu attends une réponse de l'heure. Il a merdé. Oh, c'est la merde. Attendez les gars. Et du coup, c'est la merde quand les bots ne veulent pas fonctionner. Copier. Voici, ça va le faire. Voilà, cette fois-ci, vous avez le bon lien du Discord, les amis. Tu attends une réponse de leur part. Tu peux attendre longtemps pour qu'ils répondent. Lol. Ah non, mais là ils dorment là.
les bottes, ils ont dodo. Ils ont perdu l'habitude. Heures, c'est ça, ils étaient partis se coucher les bottes. Bon, du coup, on va finir ce chant-là et puis on s'arrêtera là-dessus pour ce soir. On aura fait toute la moisson qu'on avait à faire. Il me reste un chant en mission. Je vais regarder la taille qu'il fait, mais on le fera pas ce soir. Enfin, on le fera pas en live ce soir, du moins. Moi, je le ferai peut-être en off. Et puis bah, la suite, ça sera sûrement
peut-être demain ou dimanche, on va voir. Je sais pas trop si demain je vais peut-être faire un petit live ETS demain. Changer un peu. Dimanche après-midi, ce qui est sûr, c'est qu'on sera en convoi. Samedi soir, on sera sur FS22, ça c'est sûr. Et dimanche soir, ouais, je pense que dimanche soir, je reviendrai sur cette game-là en solo. Désolé, j'utilise Google Translate, donc ça va probablement vous avez la traduction. J'espère que vous vous amusez. Ouais, il n'y a pas de souci. Bah, bienvenue à toi, cavalier Roy. N'hésite pas à t'abonner, activer la petite cloche pour recevoir les notifs si le live te plaît. Et bienvenue à toi. Et on s'amuse très bien. Tu fais les usines sur cette partie. Ouais, par la suite, Benoît. Par la suite. Là, en premier, je me concentre pour les vaches que j'ai installées en arrivant sur la game, parce que je voulais pas redémarrer une game sur cette map là sans que les animaux soient fonctionnels. Parce qu'avant, les animaux étaient fonctionnels, mais il n'y avait pas de fumier. Bon, il y avait quelques bugs. Donc là, j'ai voulu retester les animaux avant de lancer la game, parce que c'était pour lancer une game suivie et vous dire 3 jours après, bah les gars, non, en fait, je vais sur une autre map parce que vous allez être obligé d'attendre pour que je puisse vous relancer un live pour résoudre le problème. Donc voilà. Voilà, donc je vais vraiment me concentrer sur les vaches en premier. Donc là c'était la paille, fallait absolument faire vu que je suis avec le mode saison. Ensuite je vais faire du foin et de l'enrubanage pour avoir de l'ensilage, pour faire mes rations mélangées. Et ensuite on va pouvoir s'attaquer aux usines quand on aura de la marchandise à mettre aux usines. Mais en premier lieu, ça va être les animaux. Et bien sûr qu'on fera tourner les usines. Quel but ? Tellement que YouTube est une option de traduction. Je regarde tellement de gens jouer sur la carte que je dois attendre un jour ou deux après leur diffusion pour pouvoir lire la traduction. Ah bah ouais. Ah, c'est casse-pied ça. J'avoue que c'est casse-pied.
Je vous laisse un like et vous souhaite une bonne journée. Je reverrai la vidéo quand le traducteur sera là. Merci encore. Et ben, il n'y a pas de quoi, Cavalier Roy. Et puis ben, bienvenue à toi. Merci pour ton like. Et à la prochaine. Hop. Bon bah voilà, petit champ qui aura été terminé. On aura eu un peu de rendement dedans quand même. Voilà, après je vais bien m'amuser à tout presser la paille. Et merci pour ton abo, Cavalier Roy. Ah bah c'est nickel, tout aura été dedans. Du coup, lui, il va falloir lui tourner. Le chariot de barre de coupe dans le bon sens. Alors, le chariot de barre de coupe, tac, tac, tac. Ouais, donc on va passer par derrière la moisse-batte et revenir par devant. Le recoutine. Il me semble que c'est tout. J'ai plus de champ en moisson, je crois pas. Donc si là on l'a fait. Le 3, c'est bon. Enfin, le 3, il n'y a rien dedans. Le 25, il est fait. Donc c'est bon. Là maintenant. Je ferai ce petit champ là. Par la suite. Je vais pas le faire ce soir. Je vais l'accepter déjà. Voilà, accepter le contrat comme ça. Je le ferai sûrement en off. Et ça fera déjà 5053. De récupérer. Hop. Du coup, on va ramener tout ça. On va ramener tout ça à la ferme. Bon, 90%, il risque d'en chier encore.
Hop là. Mikune, regarde où tu vas. Ah, j'aime bien tes lives. Merci Jojo. On va être content que ça te plaise. Ça tiendrait qu'à moi, je resterai en live encore pendant un bon petit moment. Attends, je passe sur YouTube, pas de soucis, Jojo. Je resterai encore jusqu'à pas d'heure, mais j'ai une grosse journée encore de boulot demain. En plus, il fait beau demain, donc je vais pouvoir continuer à avancer dans les champs. Donc, c'est pour ça que ce soir, je vais m'arrêter assez tôt. Même les freins avec celui-là, c'est pareil. Hein. C'est pas ça. Hein. Recoucou, Jojo. Merci pour le like. Donc du coup, je vais ranger ça. Je vais laisser atteler parce que ben, moi, je vais continuer en off les moissons. Dis-moi, tes tracteurs ont pas de frein? Ouais, mes tracteurs ont pas de frein, coquine. C'est en option, ça coûtait trop cher. Alors du coup, ça on s'en fout, ça on s'en fout. On va récupérer la moisse bête. Ah, coucou Sandra de la part de Jojo. Hop, on va allumer les gyrophares. Et on va ramener ça à la ferme. Jojo, tu vas bien de la part de coquine, de coquinette. Ici, on va essayer d'éviter d'arracher les lampadaires. Ça pourrait être bien.
Ça va, chez le médecin demain matin encore. Ah, t'as pas de bol toi, Jojo. Avec ça. Voilà, la mousse patte. On va la garer là. Elle sera prête à repartir. Oui, on va le ramener. Ok, Jojo, courage à toi. Excuse-moi, ça, la fin. Faut gros, t'inquiète, je joue. Pas grave, t'inquiète pas. T'as le droit de le dire. Hein. Hop, et la barre de coupe, on va la ranger à côté. Et puis lui, on va le remettre sur la pailleuse. Bon, du coup, je voulais aller voir un petit peu ce qui avait changé de l'autre côté là. Donc, ça c'est neuf, ça ça n'y était pas. Donc, tout ça ça n'y était pas. Le robot, donc ça ça n'y était pas. La lumière ça fonctionnait pas. Bah, là, vous voyez bien que ça fonctionne. Donc, ça c'est bon. Paillage, ça fonctionne. Et ici, est-ce qu'on a des choses qui ont changé? On a toujours la cuve à carburant. Alors, on n'avait pas ce silo-là. Le silo de réservoir d'engrais. Ça, c'est bien. Le matériel, c'est toujours le même. Et ce que je voulais voir, c'était voir combien d'animaux il avait mis ici. 850. Voilà, donc ici on a 850, on peut mettre 850 vaches. Et de l'autre côté, là-bas, on peut en mettre 700. Donc on a vraiment de quoi faire. Et ici, il a mis aussi, du coup, le robot. Donc on est bien. On est tranquille, on a de la place pour manœuvrer tout autour. Donc, ouais. Ça devrait aller cette fois-ci pour la game. Et puis le silo qui est là. Alors, ça, les silos, on verra. Quand j'avais essayé la première fois, les silos étaient buggés. Donc, on verra s'ils sont toujours buggés ou pas.
On testera tout ça. Tiens, il y a Maurice Toutou qui se balade. Donc voilà. Ah oui, et on a normalement toujours nos poules là-bas, hein, j'espère. On avait nos poupoules qui. On avait nos poupoules qui étaient là. Ah bon? Qui sont toujours là. Nos poupoules qui sont toujours là. Et ici, on peut en mettre 600. Voilà. Donc, on a de quoi faire. Donc voilà, les amis. Et ben, moi, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne soirée. Une bonne nuit. Et on se retrouve demain soir, du coup, pour un nouveau live. Allez, ciao, bye bye.